sandales de marche au cas où il y a des ampoules. Il y a 5 ans, j'ai fait le trek El Marche au Maroc dans le désert du Sahara. Après les années de confinement que nous venons de vivre, j'ai eu l'envie de retrouver ces grands espaces et de les partager dans le cadre d'un trek ourlé d'une compétition par équipe réservée aux femmes. Suzy, Stella et Céline ont embarqué avec enthousiasme dans mon projet. Nous avons donc quitté la neige et le froid de février pour se retrouver dans la chaleur moite de Casablanca. Les marchandes de sable arrivent. Je trouvais que le jeu de mots était intéressant. Et c'est toujours poétique, le marchand de sable qui fait dormir les enfants à 7 heures. Mais nous, nous serons très réveillés en marchant dans le sable. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi les marchandes de sable. Je l'ai proposé à mon équipe et j'ai eu aucune opposition. J'ai fait le rallye des gazelles et puis j'ai fait aussi Trek El Marche il y a quelques années de ça avec Claudine puis 2 autres coéquipières. Donc pour moi, c'est un retour au désert. C'est ma 8e visite au Maroc. Ça va être la 2e fois le Trek El Marche. Mais le désert a ça de particulier que lorsqu'on l'a connu, on veut toujours y revenir. C'est vraiment un endroit mythique et mystique en même temps. Moi, c'est ma première expérience dans le désert. J'aime les treks, j'aime les randonnées. Claudine m'en a tellement parlé avec emphase et enthousiasme que j'ai très, très hâte de connaître moi aussi le désert et de parler du chant des dunes. Oh, si on veut l'entendre! J'ai fait un trek en Turquie, mais c'était pas un désert aussi large et aussi étendu qu'ici au Maroc. Et je suis tout à fait enthousiasmée parce que effectivement, je pense qu'on va vivre une expérience extraordinaire. Si une équipe est d'abord formée d'individus distincts, elle trouve son essence dans la combinaison des forces et même des faiblesses de ces éléments. Certains m'ont dit que la température peut quand même atteindre des 40 degrés dans le désert. Là, je me suis dit, 40 degrés, est-ce que je suis capable de marcher 25 km? Et ça, c'est vraiment le défi. Je fais du ski de fond 4 fois par semaine, puis de la raquette. On joue au tennis 2 fois par semaine. Donc, l'entraînement, c'est mon mode de vie. Ça m'est pas arrivé souvent de marcher dans le sable. Alors, ce que j'ai fait, je me suis entraînée à marcher dans la neige qui n'avait pas été tapée. J'ai toujours dit que la tête peut tirer le corps peut pas tirer la tête. Alors, si je me dis que je vais arriver au bout, bien, c'est sûr que je vais arriver au bout. Il va y avoir quelque chose de très personnel pour moi. Mon père est décédé à la fin du mois de décembre et j'ai pas eu le temps de vivre mon deuil. Parce que c'était dans le contexte de la Coupe du monde. Il est tombé, il y a eu un accident. Pendant toute la Coupe du monde, j'allais à l'hôpital à tous les jours. Je devais préparer mes matchs. J'étais dans un tourbillon. Et c'est comme s'il avait attendu que ça se termine. Il est décédé 2 jours après la finale. C'est une grosse perte. Je l'aimais beaucoup. Je l'ai amené avec moi. J'ai une photo qui va me suivre. Et j'imagine que le désert va m'aider à... pas à passer ma peine, parce que je veux pas passer ma peine. Je veux pas oublier ma peine. Je veux qu'il reste avec moi, mais pas dans la douleur. Je veux qu'il reste avec moi dans le bonheur. Puis c'est un peu ça que je vais aller chercher. Un dernier vol avant la véritable aventure et Er Rachidia aux portes du désert nous ouvre grand les bras. Bon, ben c'est le vrai départ, hein? Le vrai départ. 3 heures d'autobus quand même. Ce sera le vrai départ là-bas. Oh, la Alors, on s'en va! 4 autobus bondés de trekkeuses emballées empruntent la route 12 vers MCC. C'est le moment de prendre des photos, de créer des liens ou de se reposer avant les journées chargées qui nous attendent. Les 3 heures de route sont coupées par une pause ravitaillement où on peut enfin se délier les jambes et profiter de l'accueil chaleureux des habitants du désert. Reste le tuk-tuk. 1 heure, semble-t-il. Ça va être une expérience, je le sens. La Rochelle!
j'ai fait du rallye raid pendant 10 ans. Et quand j'ai obtenu le résultat que j'ai voulu, j'ai eu un bon classement, on est arrivé deuxième, voilà. Pour moi, c'était satisfaisant. Je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse autre chose. Et ce désert que j'ai parcouru des dizaines et des dizaines de fois en voiture, je me suis dit, je vais essayer de le parcourir à pied pour voir si ça procure d'autres émotions. Et là, ça a été, waouh, une révélation. Je prenais le temps d'observer, de m'arrêter, de prendre des photos, de voir le coucher du soleil. Et j'étais vraiment connectée avec le désert. Et ça, je ne l'avais jamais ressenti. Mais ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, si ça me fait du bien à moi, ça doit faire du bien aux autres. Et donc, du coup, ce trek qui existe aujourd'hui, c'est venu comme ça, tout doucement. Et jamais j'ai imaginé que je pouvais faire un trek comme ça. Mais jamais de la vie, j'ai pensé ça. Le trek Elle Marche, c'est un événement en équipe de 4 femmes. Et l'objectif, c'est de trouver les bornes qu'on va placer sur le terrain. Nous, on va placer 3 bornes à 5 km d'intervalle. L'objectif, c'est de faire plus de 100 km dans le désert et d'aller le plus droit possible sur les bornes qu'on a placées, de faire le moins de kilomètres possible. Celle qui fait le moins de kilomètres possible et qui trouve le plus de bornes, elle gagne. Et tout ça, on le fait en navigation à l'ancienne, avec une carte et une boussole. Donc, elles viennent d'abord en stage. On leur apprend la navigation terrestre, comment poser un point GPS sur une carte, comment calculer un cap, comment calculer une distance. Et quand elles arrivent sur le trek, on leur donne la feuille de route de l'étape 1. Elles doivent tracer leur route sur la carte. Et chaque équipe fait sa route. Il y a 4 parcours pour éviter qu'elles aillent toutes sur le même parcours et qu'elles se suivent, parce que ça, c'est interdit de se suivre. Le téléphone est interdit, le GPS évidemment est interdit, les jumelles sont interdites, elles n'ont juste le droit qu'à leur carte et à leur boussole. Voilà, et leur podomètre pour compter leur distance. Et pour mettre un petit peu de piment sur les bornes, j'ai mis des QCM, des questions pour faire jouer la tête et les jambes. Voilà. Et c'est sympa parce que ça les fait réfléchir aussi pendant la marche aux questions qui ont été posées. À la borne 3, c'est vraiment la stratégie, la cohésion d'équipe qui va agir. Parce qu'à la borne 3, c'est soit elles rentrent au bivouac, elles sont fatiguées, elles rentrent au bivouac qui est à peu près à 5 km. Soit elles vont réaliser le défi de la journée qui vont les écarter encore de 5 km. Donc ça fera 10 km, mais souvent le défi, c'est quelque chose de physique aussi. Il faut savoir que ces femmes-là, elles sont quand même incroyables parce qu'il y a 99% des équipes qui font les défis. Et pourtant, ces femmes, c'est des madames tout le monde. C'est des femmes qui élèvent leurs enfants, qui travaillent et tout, et qui ne sont pas des marathoniennes, qui ne sont pas des sportives de haut niveau, et qui se disent « Pourquoi pas moi ?» Le tout, c'est d'oser. Voilà, il faut oser. La suite en tuk-tuk est peut-être moins douillette, mais chaque soubresaut du véhicule met des étincelles dans nos yeux. Après tout, ne sommes-nous pas là pour sortir de notre zone de confort? Nous franchissons l'arche du bivouac pour la première fois, cette arche dont on rêvera au bout de nos journées d'efforts et de labeur. Mais aujourd'hui, l'ambiance est à la fête. L'œil est encore brillant, le pas toujours alerte. Au cœur de cette oasis qui n'a rien de mirage, les trekkeuses se répandent joyeusement. La musique résonne, le thé à la menthe réconforte. L'excitation est palpable. Le désert s'offre à nous, encore séducteur et ensorcelant, encore ouvert à la conquête. On cherche notre palace. 33, c'est nous. Ah, oh, wow! Oh, c'est grand! Oh, quand même, c'est grand! Alors ici, vous avez tout d'abord la salle de séjour et puis on a une première chambre à coucher de ce côté-là, une seconde chambre à coucher de ce côté-ci. C'est chez nous. Là, c'est toujours l'épreuve la plus difficile, les sacs. Oui. Comment retrouver nos choses dans les sacs? Et se retrouver nous-mêmes dans notre sac. Et là, qu'est-ce qu'on met dans le sac à dos? Tout ça dans le sac à dos pour demain? Ça va-tu rentrer? Est-ce que ça va rentrer? Et ça va peser combien? Oui. Il faut rapidement passer aux choses sérieuses. Contrôle administratif et médical, récupération de matériel divers. L'organisation est bien rodée et tout se fait dans la bonne humeur. C'est le détachement total. On remet les cellulaires. C'est-à-dire que moi, ce que je vous donne, c'est un parcours au cap, un vol d'oiseau, mais cette balise prend en compte le dénivelé. Donc parfois, il faut réfléchir.
32. On a besoin d'un 4. 284. C'est sérieux? On a notre feuille de route et on doit faire nos 4. Tu vois, là, ça, oui. Ça là, c'est des c'est montagnes. Des montagnes qu'on a vues, que ouais, je te disais, qui ne sont pas franchissables. Ah, c'est ça. Puis ça, ici, là, c'est tout le cordon dune qu'on a vu, oui. Oh, c'est ben, oui. Ça. Okay. C'est sûr qu'il nous envoie là-dedans. OK. C'est très important d'essayer d'être le plus juste possible parce que sinon, juste un petit écart de quelques degrés, ça peut vouloir dire pour nous marcher 1 ou 2 kilomètres de trop pour rien. Donc, c'est une étape qui doit être précise et chaque équipe a sa stratégie. Il faut qu'on se remette dedans. C'est pas simple. Et vous pouvez voir des gens qui sont toutes les 4 autour. Nous, on a décidé de faire ça 2 par 2. Alors là, aujourd'hui, c'était Stella et moi qui commençaient. Et ensuite, Céline et Suzy vont vérifier nos calculs. Et comme ça, bien, s'il y a des grosses différences, bien là, évidemment, on va se mettre les 4 ensemble et on va voir où est-ce que l'erreur a été faite. Alors là, j'espère que nos calculs, à Stella et à moi, étaient bons. Allez! On se lève! La journée appartient aux gens qui se lèvent tôt! Allez! Je m'appelle Thierry Balbous, je suis le directeur de course et du Trek Elle Marche. Je suis un ancien militaire, j'ai fait ma carrière dans l'unité de renseignement de l'armée française. Dans le Trek, je suis en charge donc de la sécurité et du bon déroulement de l'épreuve. Donc il y a le côté aspect règlement, donc je suis là pour faire appliquer le règlement à la lettre. S'il n'est pas appliqué, la sanction est immédiate, donc il y a des pénalités qui sont mises en place dans le cas de cet événement. Allez, en colonne s'il vous plaît. Avoir commandé des hommes, j'ai eu la chance de commander aussi des légionnaires, des parachutistes. J'essaie d'apporter ma culture militaire. C'est un côté sympa, c'est un jeu de rôle, effectivement. Je fais le bougru, je fais le gros nounours, mais en fin de compte, je suis une grosse guimauve. Mais je suis quand même très attaché à la rigueur, au comportement, au règlement, à la sécurité. Et il n'y a pas de passe-droit. Quand vous posez le sac, faites en sorte qu'il soit debout. Jetez un petit coup. Là, il faut vraiment faire les bons choix au niveau de la sécurité. Déjà, on est entouré par la gendarmerie royale qui est là avec nous. Hein. Tout le monde sait qu'on est là où on nous surveille. Mais surtout, on a une balise. Et chaque équipe a une balise. On peut les suivre sur nos écrans et on sait à 5 mètres près où elles sont. Sur cette balise, elles ont 3 boutons. Un bouton jaune. Donc ça, c'est pour rafraîchir leur position. Un bouton vert pour rappeler l'assistance, mais pour quelque chose de pas grave. Hein. Et le bouton rouge, là, ça déclenche un rescue. Et là, l'ambulance, elle part direct. Comme elles sont à pied et nous en voiture, dans les 15 minutes, en général, on est sur place. Bonjour, les jeunettes. Vous avez bien dormi? Bon, super. Vous êtes mes jeunettes. Je suis le garant de votre sécurité, donc aujourd'hui je vais veiller au grain, je vais faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Ce matin, on part sur une journée avec des filles de 27 km. Prenez du plaisir, appréhendez bien le terrain, lisez-le, et ça se passera bien. Ok? Je vous souhaite à toutes une bonne journée, et je vous dis à ce soir, Inch'Allah. Merci, parfait, merci. Alors vous avez le thon ou sardine? 3 et 4. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Excuse-moi, je suis un petit peu énervée, je ne sais pas quoi faire. Ah, c'est oui. Voilà. On a trouvé les pochettes. Petit stress ce matin. Je vais chercher la balise, remplir le camelback d'eau. Me faire dire que j'ai trop de choses dans mon sac. Mais je pense pas, j'ai été bien raisonnable. Je retrouve la bosse. La ligne de départ numéro 3, les équipes 10, 46, 39, 33 devant moi, s'il vous plaît. L'équipe 33, vous avez votre valise? Non. Alors on va chercher la valise. Ah, on t'a appelé. Et donc tu es 33, 10, 33. Bordeaux. Est-ce que l'équipe va bien? Ah oui. Ouais. Excitation du premier départ. Ah oui, ça c'est très excitant. Ben, c'est un peu énervant là, parce qu'il nous manque 50 000 bébelles. C'est quoi les bébelles qui te manquent? Ma tête. Ma tête. Il n'y a pas besoin ici. Oh, c'est pas important. Il n'y a pas besoin ici. Bon, comment vous vous sentez là sur la ligne de départ? Impatiente. Impatiente. Ouais, impatiente.
impatiente. Ça y est. Pas inquiète. Non, super bien. Oui. Vous y avez rêvé de ce moment-là? Oui. Vous partez avec le soleil qui se lève dans les dunes. Vous allez commencer par les dunes. Vous allez être dans le bain tout de suite. On n'a pas de temps à perdre. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne journée. À ce soir. Vous allez à la borne. Hein? Le premier départ, celui de tous les espoirs et de toutes les envies. La découverte d'un monde inconnu, mystérieux. Vu d'en haut, les dunes font penser à un édredon moelleux jeté sur la terre. Vu de près, ces mêmes dunes perdent de leur innocence et musclent la marche des traqueuses. Il faut s'y retrouver, pointer des repères au loin qui disparaîtront dans un repli du terrain pour réapparaître, ou pas, à la remontée. Il faut se fier à son instinct, avoir confiance en soi et en ses coéquipières, lire une carte tellement différente du sol que nous foulons. Jouer les funambules sur la crête d'une dune est enivrant. C'est forçant de marcher dans les dunes parce que ça s'enfonce. C'est pas trop pire encore, plus tard dans la journée, heureusement. Si on passait vers 2 heures, ça serait l'enfer parce qu'on calerait vraiment. Le sable réchauffe beaucoup et devient plus porteur du tout. Les Québécoises sont là. Première valise trouvée, ça enlève un peu de pression parce que c'est certain qu'on se pose des questions sur notre navigation. Bon, c'est à notre tour? C'est à vous. Bonjour. Ça va? Ça va? Attribuez à chaque désert le numéro qui correspond sur la carte. Oh boy. 8 points par réponse. Alors? Oui. Alors, ici, c'est le désert de Gobi. Oui. 2, tu me l'as dit. Au Chili. Ça, c'est au Chili, effectivement. Atacama. Suite numéro 1, savez-vous? Où ça? Ça, c'est le désert. C'est aux États-Unis. Il reste le désert de Mojave. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ça. Voilà, yes! Voilà. C'est tout. Quand on parle du désert, tous les gens s'imaginent un paysage de dunes infinies, que de la dune et que du sable. C'est tellement pas ça. C'est tellement différent. C'est beaucoup de roches. Là, on vient de faire un gros passage extrêmement caillouteux, des grosses roches. Alors, il faut regarder essentiellement où on marche. Vous êtes sur quel parcours? Le jaune. Le jaune. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à ce propos? Mais à l'inverse, tu as le droit de me poser la question, quelle est la couleur de ma borne? J'ai le droit? Bien sûr, tu as le droit. Elle est jaune. Quelle couleur? Vous avez un peu de chance parce qu'elle est jaune. Tout là. C'est ça que tu... OK. Ouais. Un petit bouton plat. Voilà, c'est reparti mon kiki pour... Pour le défi? 8-9 kilomètres. C'est à peu près 9. Le champ pierreux que nous avons traversé n'est qu'un prélude et derrière ce passage chaotique nous attend une série de ravines tapissées de roches volcaniques dont l'agressivité s'est faite discrète à la caméra, mais a laissé un souvenir marquant dans nos mémoires. Ce qui nous attend nous fera vite regretter la relative douceur des dunes que nous évoquons déjà avec nostalgie. Pourtant, ces dunes, nous les retrouvons bien vite et devons traverser ce cordon qui s'étire devant nous avec quelques kilomètres harassants dans les jambes afin d'atteindre le premier défi officiel du trek. Hey, boy! Ah. Rendez-moi mes 20 ans! là, ça a l'air comme un défi. Fait qu'on va y aller. C'est un défi qui nous fait toucher à l'une des traditions du Maroc, le tatouage éphémère au henné ou mendi. Fait à partir d'un colorant naturel, la pâte est habilement maniée par des artistes locaux qui dessinent de jolis motifs sur nos mains qui sécheront durant les 3 kilomètres qui nous séparent du bivouac. Alors, fin de la première journée. Quelle journée! Effectivement, ça a été une très grosse journée. Si c'est une mise en jambe, j'ai peur de voir les autres. Entre la croix et le défi, c'était difficile. Puis, il nous disait 9 km, mais pour moi, ça a valu 15 km. J'ai beaucoup mieux aimé les dunes. On dit, on s'en va vers cette dune-là, c'est très bien. C'est là qui est notre point d'arrivée. Ah non, c'est jamais la dernière. Il y a toujours des dunes derrière les dunes.
ça, c'est le son de cette journée et probablement de ce trek. Mais bon, on a réussi à trouver les bornes. C'est ça qui est important. On est probablement l'une des dernières équipes à rentrer. Mais ça n'a tellement pas d'importance parce que le temps n'est pas calculé. Mmh. Alors, c'est les résultats aux bornes, c'est les résultats à la navigation, c'est les résultats aux questions auxquelles on avait à répondre. Alors, on verra ce que ça donne. Mais moi, je suis très contente de notre équipe. On a une équipe équilibrée. Ouais. On s'est bien entendu. Dynamique. On a rigolé. Dynamique. On a eu du fun. On a chanté. Ça a été le fun. Belle journée. Belle journée. Bien performé. Super. Bravo. Oh là là! Oups, excuse-moi! Bravo, Émilie! Ça a été quelque chose? Oui. Bravo. Merci. Ça a été irritant. Ça a été irritant. Ouais, ben, c'était la première. On est bien contents. Bravo! Yes! Bravo. 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 C'est bien. Ça y est, t'es arrivé. Tiens. Oh, c'est arrivé, ma poule, t'es arrivé. Bravo. 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 La journée d'hier a été éprouvante pour certaines, moins pour d'autres, mais assez difficile. Mais on vous a toujours dit que ce serait dur et on n'a jamais dit que ce serait facile. On vous a pas menti, les filles. Ah non. Bon. Alors aujourd'hui, il va falloir en avoir de la force, parce que hier, c'était une mise en bouche. Alors on vous a fait un parcours qui sera effectivement moins long. Moins long, mais plus dur. Avec aujourd'hui, hier, c'était un défi très facile. Aujourd'hui, ça sera un défi très dur. Aujourd'hui, on va passer sur un endroit mythique qui écrème régulièrement le Marathon des Sables. Une passe qu'il y a là-haut dans la direction de mon bras. Passe emblématique, les plus belles images du Marathon des Sables, Ludo le sait très bien parce qu'il y est, ça se passe là-haut. Vous allez sur le site du Marathon, toutes les photos, elles sont prises là-haut. Et aujourd'hui, vous allez toutes passer là-haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Malgré cette mise en garde effrayante, nous nous lançons avec un certain optimisme dans cette nouvelle journée. Nous nous émerveillons de nous fondre à chaque pas dans l'un des endroits les plus mythiques de la Terre, le Sahara. Nous sommes au cœur des 8,5 millions de kilomètres carrés qu'il couvre en Afrique et nous nous sentons privilégiés de fouler son espace. 2500 mètres d'altitude, ce qu'on grimpe? Oui, on allait grimper. Encore que de la roche à perte de vue. Une petite ouverture dans la montagne, le mirage d'une piste étroite qui fend ce champ miné de roches pointues. Chaque pas est prudent. Ici, une chute ne pardonne pas. Le pied peut verser, les orteils encaissent les coups. Le regard qui glissait tantôt sur le dos des dunes s'accroche maintenant aux aspérités de la pierre. Les bâtons sont essentiels. L'entraide, tout autant. Nous parlons moins, concentrés sur notre marche. Ça va être l'amputation des petits orteils à Montréal. Ça sert à rien de toute façon. Alors, ça a été une journée très rude. Je pense qu'il est temps que la journée finisse, puis le défi, là, il reste un petit peu en travers de la gorge. On va aller voir ça. On va aller encourager les copines aussi. Et nous arrivons à l'étape dont nous avait menacé Thierry le matin. Nos yeux incrédules contemplent le sable qui s'accroche piteusement à la falaise et nous voyons ces vaillantes fourmis tout au sommet peiner dans l'ascension. Il faut nous y rendre aussi, quel que soit l'effort, quelle que soit la difficulté. Faire des trucs, mais complètement dingue. Laisse pas le film. C'est dur.
ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas dans quel état, mais on va se rendre. On va se rendre. C'était tough, mais par contre, je dois dire que les filles ont aidé tout le monde qui se portait. Ça fait une grosse différence. Parce que si ça avait été juste de moi, je ne serais pas montée. Oui, c'est ça. Mais ça a été vraiment des filles extraordinaires. Alors qu'ils m'ont dit « Ah ouais, t'es capable! » Alors ils m'ont offert de tenir mon sac à dos, ils m'ont offert de m'attacher avec une corde. Mais comme je suis très indépendante et autonome, j'ai tout de suite dit non, je suis orgueilleuse aussi, faut dire. Alors voilà. Merci les filles, merci beaucoup. L'endroit est magnifique. Et là, ici, il faut qu'on fasse un vœu. Oui. Et semble-t-il qu'il va se réaliser. Mais on ne peut pas le dire. Ah oui, c'est vrai. OK, les filles? Oui. On fait notre vœu. On fait notre vœu? Fermez les yeux. Un, deux, trois. Nous goûtons cet instant d'euphorie, bref moment d'extase, après être allés au bout de nous-mêmes. Mais pour se rendre au bivouac, si proche et si loin à la fois, la route ne sera pas facile. Il n'y a pas de sable sur le versant opposé de la falaise et nous retrouvons les roches piégeuses qui nous attendent. Même nimbée d'une lumière magnifique, elle reste menaçante. Le passage est étroit et nous ralentit. Il nous offre en pâture à la nuit qui se referme lentement sur nous. La lumière des lampes frontales de quelques autres équipes danse comme des lucioles égarées. Dans le noir, nous sortons du dédale pour entrer dans les dunes que nous devrons passer les yeux fermés. Et finalement, terre pour les naufragés que nous sommes. Avant-dernier jour! Tranquille, dilettante, parce que vous l'avez mérité. Vous avez fait deux belles journées, c'était magnifique. La plus longue depuis l'histoire, la création du Trek El Marche. La plus dure en termes de dénivelé, mais largement plus dure, parce qu'on a quasiment doublé, voire presque triplé la hauteur. Donc aujourd'hui, vous méritiez une journée soft. Peinard. Avant de remettre une dure demain. Hier, c'était une journée extrêmement difficile, puis ça s'est avéré être extrêmement long aussi. J'étais rocailleux toute la journée, on a tellement tapé après les roches que moi, je me suis retrouvée avec deux orteils en arrivant. C'était directement à tente infirmière. Parce que j'ai eu une journée quand même éprouvante, difficile. Disons que je me suis enfargée dans mes pieds à trois reprises. Alors, donc, mais comme j'avais des compagnes extraordinaires qui m'ont encouragée, j'ai décidé de poursuivre. Puis je l'ai terminé. Il était un peu tard le soir. Moi, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est de passer à travers ce qu'ils appelaient le petit col. Et ça, le petit col, il était bien sûr très rocailleux, très long. Et il était en plein soleil. On était entre midi et une heure et demie. Alors ça, moi, la chaleur et le soleil pour monter dans un col, là, ça, j'ai trouvé ça plus difficile. Suzy a été modeste dans ses... Elle est en train de perdre ses deux ongles de gros orteils. Elle va marcher là-dessus quand même aujourd'hui. C'est du courage. Moi, je vais probablement avoir l'amputation des petits orteils à Montréal. Je sens que le premier kilomètre, ça va marcher carré. C'est un départ! Une ampoule, c'est rien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en général, on a une ampoule, la chaussure blesse.
on change de chaussures. Ici, le problème, c'est que l'objectif pour nous, c'est qu'elles marchent les 4 jours. On les protège. On protège. Déjà, on essaie de faire de la prévention en amont. Donc, on leur demande d'enlever leurs chaussures, d'enlever le sable. C'est pas du temps perdu que de s'asseoir, d'enlever le sable quand elles ont de la dune, de taper leurs chaussettes, de graisser à nouveau leurs pieds. Quand l'ampoule, le pied est vraiment abîmé, là, on protège. Et on sait que quand on protège au début, on sera obligé de protéger les 4 jours. Il a fait du super job, notre podologue. Non, c'est parfait. Là, c'est une difficulté aussi, mais je pense qu'on subit un peu tout. Des affres physiques. Au petit matin, si l'harassante journée de la veille avait laissé quelques traces dans nos muscles, elle a à peine égratigné notre morale au beau fixe. Le soleil levant chasse la fatigue et c'est d'un pas alerte que nous reprenons la route. Cap vers le nord et la passe Elmar Arch, qui a inspiré le nom du trek Elmarche, autre passage obligé de la région de Fedzou. La journée s'annonce belle, la difficulté moyenne, mais dans le désert, tout se fond et se confond. Les bornes, proches l'une de l'autre, peuvent abuser les yeux brûlés des trekkeuses. Le sable s'insinue partout, malgré les précautions. Le soleil tape et agresse. Pourtant, nous ne nous lassons pas de tant de beauté. Et ce passage s'ouvre devant nous comme une promesse tenue du désert impitoyable, mais tellement généreux. Nous marchons au cœur de ces falaises qui nous regardent et sentons le poids de leur aura sur nos épaules. Derrière, la terre craquelée s'écaille sous nos pas. Les bornes sont plus loin, mais il ne faut jamais oublier que dans un tel parcours, le passé n'est pas garant de l'avenir. Une borne trouvée n'assure pas la suivante. Enfin, une dernière montée. Les pieds sont douloureux, le corps proteste, mais la paye sera magistrale. Alors là, maintenant, vous allez devoir monter, on va se prendre une petite photo. C'était très beau. On va immortaliser l'instant. C'est bien. Vous sortez votre appareil photo, faites face à Eric. À Eric, OK. Voilà. On lève un petit peu les bras, un peu euphorique. Yes! Ouais! Bravo, les filles. Merci. Bravo, bravo. Merci. Le retour par la ligne de crête. Là, on est presque arrivé. Cette journée numéro 3 est presque terminée. Mais quelle belle vue, franchement. Assez impressionnant, ça valait la peine de monter jusqu'ici. C'est magnifique. Ça a été une étape absolument géniale. On s'en va au bivouac, le repos va faire du bien. Je m'appelle Mohamed Karaoui, je suis le gérant de tout ce qui est logistique pour le Trek Elmarche. Il faut qu'on n'oublie rien, surtout comme ce bivouac ici, on est loin de tout. Et c'est-à-dire la ville la plus proche pour faire des courses, on est à 140 km. D'ailleurs, on a mis en place 2 véhicules qui font que des allers-retours. Pour les repas, on mange tout frais, c'est-à-dire tous les repas, ce sont les repas de jour. J'ai plusieurs équipes. J'ai une équipe des pointeurs, qui vont dans le terrain avec les trekkeuses et tout ça. Après, j'ai une équipe pour l'accueil, pour faire l'accueil aux filles et tout ça, le thé, les petits gâteaux marocains, tranquille. Une équipe cuisine, repas de soir, et une équipe pour le petit déjeuner. Et après, une autre équipe des serveurs et une autre équipe qui s'occupe des sanitaires. On est une 60aine de personnes sur le bivouac. L'eau, on le cherche à 60 km. On a un camion avec des citernes et qui ramène de l'eau ici. Ça me plaît bien de faire ça et surtout qu'on voit les filles contentes, heureuses, satisfaites, c'est le bonheur pour moi. Ils partent avec une belle image du Maroc, du désert, c'est le top. Allez, Jeunette! Ouais! Elles en ont à revendre. Elles en ont à revendre, elles me l'ont prouvé depuis 3 jours. 3 jours, franchement, vous m'avez, je le redis tous les matins, complètement bluffé. J'en prends plein la gueule avec vous, vous me faites franchement plaisir. Et aujourd'hui encore, vous allez m'épater.
Voilà, on part sur une petite journée hard, comme d'habitude, comme je les aime. Un dernier jour de trek se lève sur le bivouac. Le désert a laissé son empreinte sur chacune d'entre nous. Dans les pieds, dans les jambes, sur le moral un peu ébranlé au dernier départ. Cette quatrième journée a des vapeurs de 40e. Le trek a pris du poids et nous devons le porter sur nos épaules. Mais l'idée d'aller de l'avant est plus forte que tout. Encore et toujours. On est à cran. C'est la dernière journée. On en a plein. Je t'avais dit que t'allais pleurer, mais t'as pas assez pleuré, Isa. C'était tous les jours qu'il fallait pleurer. Donc tu respires, d'accord? Respire, c'est important. Allez, viens faire un bouquin. Top, 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 top. Donc, on se prépare pour la dernière journée avec quelques ampoules en plus. Oui, oui, c'est ça. Mais pour le reste, ça va. Mais moi, ce qui me console, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont courbaturés aussi. Alors, ça me donne un petit hunch pour faire la journée. Alors là, je n'ai pas encore fermé mes souliers, ça va venir. Je laisse le temps à mes orteils de s'habituer. Mais ça va nettement mieux, parce qu'hier, là, je valais pas cher. Ça a coûté cher la journée d'hier. On a perdu beaucoup de points parce qu'on a manqué une valise. On a fait 500 mètres plus loin, on a dû revenir 500 mètres. Alors, on a droppé de la 19e position à la 39e position. Donc, ben, les pointages sont quand même assez serrés, puis il y a de la place pour aller chercher un petit peu, peut-être, un meilleur classement. On va voir. La journée va nous le dire. Tu vas sauver la vie. Ouais. Ou au moins les pieds. Au moins les pieds, au moins. C'est déjà ça. Parce qu'on marche dessus, hein, quand même. Prends soin de toi, d'accord? Merci. Et ton équipe. Okay. Et tes pieds surtout. Oui. Okay. Merci. Bon courage. C'est chanceux. Nous, on soigne nos ampoules tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des privilégiés dans ce gang-là. Attends, on va essayer de faire les plus grosses ampoules aujourd'hui. Oui, moi, c'est ça. Hé, hey, les Québécoises, êtes-vous toujours là? Les Québécoises! Vous me refaites la chanson, j'ai envie de la chanter. Si, si, elle s'en halte-là, 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 les Québécoises, les Québécoises. Halte-là, 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 les Québécoises sont là. Les Québécoises, les Québécoises sont là. Stratégie aujourd'hui, aussitôt qu'on voit une balise, on va s'informer. Je suis sûr. Je suis sûr. Compte sur moi. Au départ du jour 4, les pieds sont douloureux. Mais un peu comme on chauffe les pneus en F1, une fois la vitesse de croisière atteinte, ça va. La journée nous réserve un astucieux cocktail de Dunes on the Rocks. Encore une fois, les paysages qui s'offrent à nous réussissent à nous couper le souffle. Il nous faut gérer le doute. La borne est-elle bien là? Est-ce la nôtre? Une fois rassurés, nous partons vers la suivante. Comme pour se faire pardonner, le désert nous offre cette fois un tapis de sable moelleux. Juste ce qu'il faut pour favoriser la marche. Juste ce qu'il faut pour nous reposer. Avant la suite. Ça va? Que tu juste que tu te retournes pour regarder le panorama. Retournez-vous. Je vois dans tes lunettes. Tu vois dans mes lunettes et ça te suffit? Le temps d'une pause avant de repartir. Tout se relâche. Les pieds, les muscles, les émotions qui remontent à fleur de peau. Je t'adore. Bonjour. Attends, je t'adore quand même. Je vais vous... C'est comme ça, ça s'explique pas. Non. Sur cette question. Je te remercie pour tout. C'est moi qui te remercie. Je te fais un bon moment. En fait, on s'aide mutuellement. Toutes les deux. Allez, laisse pleurer avec tes yeux. Ça fait du bien. Laisse sortir. Je pleure jamais. On a tout notre temps. On va pas marcher avec moi. Non, il reste même encore une équipe après vous. Moi, je suis là. Chance qu'il y a. On n'est pas les dernières. Yes, yes, yes. Oh,
Bon, ben, les filles, soyez extrêmement prudentes. Claudine est en train de jardiner pendant qu'elle descend. Ouais, je pense qu'on va être mieux de passer ici, ça va être mieux. C'est bon, Suzy, tu nous guides bien. T'es un bon berger. C'est une montée très difficile. Un petit caillou de plus ou de moins. C'est un autre passage emblématique qui nous attend. Une crête de dinosaure dressée sur le haut d'une falaise, peut-être pour nous rappeler que le Sahara, qui signifie « vaste zone dépourvue de végétation », n'a pas toujours été aussi désertique. Il y a plusieurs milliers d'années, c'était même une région verte et humide, habitée par une faune diverse. Pour les dinosaures, il faudra remonter encore plus loin dans le temps. Mais là, ce ne sont que des trekkeuses qui esquissent des dessins sur le sable. Ouais, ben, ça a été un passage mythique, semble-t-il. C'est vrai, écoute, c'était difficile, mais quand on sort de là, la récompense est incroyable. C'est tellement beau. C'est parmi les plus beaux paysages que j'ai vus, je pense. Quand tu échanges avec les autres, ça te replonge. Ça te replonge dans l'essentiel. Chacune parle de son chum. C'est enfin. C'est vraiment. C'est vraiment ça. On s'est mis à penser à qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être à la maison. Moi, je me voyais dans le salon avec Simon en train de regarder une série puis un gros bol de pop-corn. Mon Dieu, c'est sûr que je vais le faire. Mes fils, c'est tout ce monde-là qui t'accompagne quand tu fais un trek. Alors, on marche vers le défi de la journée, notre quatrième. Et le dernier. Et le dernier. Et le dernier du trek. On a une montagne ensemblée qui nous attend, mais on ne regarde pas trop d'avant. Un pas à la fois, on va y arriver. Je ne veux plus rien entendre! Maintenant, on marche! Toi, arrête de parler en haut. Vous faites du surplace, là! On arrête de parler! Toi aussi! Arrête, toi aussi! C'est les dernières de la journée de l'étape. Mais bon, elles sont pardonnées parce qu'elles ont déjà énormément donné et puis elles se sont bien décarcassées. Donc respect quand même, respect quand même. C'est bien, les filles! C'est bien! Allez! Céline! 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 Bravo! Bravo! Non, c'est grâce à elle. Ah, oh, ben bravo, Suzy! Oh! Hey, sérieux, là, on oublie. On oublie beaucoup de choses rendues ici, hein? Oui. Yes! Ouais, ça c'est le point de repère, le point, yes. Ça c'est la passe d'Elmarche. Et en gros, bravo, je vois qu'il est. Hey, bravo, bravo, bravo Céline, bravo Suzy. Bravo, 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 merci, merci. Vous êtes bonne. Vous l'avez dompté. Oui. Bravo, mesdames. Bravo. Merci. Allez les filles, avancez, avancez. Faut penser au soleil qui se couche maintenant, ok? Il nous reste un dernier effort à donner avant de retrouver la sécurité et le confort du bivouac. Mais nous sommes à 9 km de la terre promise. Le ciel est magnifique, mais ces ombres qui s'étirent sur le sol nous disent mieux qu'une montre que l'obscurité tombe rapidement. Les roches tapies dans les ténèbres ralentissent nos efforts.
À cause du danger qu'elle représente, l'organisation nous dévie sur le sable. Et là, lampes frontales éteintes, en marchant sous les phares d'un ciel étoilé, nous vivons l'un des plus beaux moments de ce trek. C'est le moment de gloire des Canadiennes. Quelle expérience! Quelle journée! Nos amis sont... Oui! Et quelle promenade sous la lune! L'examen des pieds, je sais même pas. Pour moi, ce trek, c'est un chemin de vie. C'est plus une démarche spirituelle, c'est un peu comme du développement personnel. Il y a un tas de choses qui leur paraissaient impossibles, et après, elles réalisent que c'est possible, elles prennent confiance en elles, elles osent. Corinne, c'est cette femme qui, aujourd'hui, a créé, à mon avis, un très bel événement, un des plus beaux événements que certaines organisations ont tenté de créer. Et elle a su le faire, elle a su le faire avec l'art et la manière. Elle a apporté cette petite différence en créant de l'atypique. Effectivement, l'événement est dur, mais on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. On veut de l'émotion, on veut du dépassement. Et puis, on veut aussi donner beaucoup d'amour. Notre mission à la fin du trek, c'est que les 200 trekkeuses, enfin les 400, puisqu'il y a deux sessions, doivent aider le quotidien d'un village qu'on a traversé ou d'un village qui est près de l'événement. Donc là, cette année, on est près du village Tafraout Sidiali. On fait beaucoup de choses au niveau du village, et surtout la plantation des palmiers, des oliviers. Là, au collège, là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Les filles, elles vont aimer. On a construit plusieurs maisons pour des familles qui n'ont rien. Et c'est ça ce qui fait l'avantage aussi de ce trek. Les filles, ils viennent marcher au désert, mais en contrepartie, ils font quelque chose de bien pour les villageois. Je peux vous dire que 400 nanas qui bossent une journée, ça abat du boulot. C'est plus qu'un grain de sable. Et elles prennent tellement de plaisir à le faire, parce que c'est aussi important pour elles de marcher, mais aussi d'aider les gens. Donc c'est, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est une journée qui est magique parce qu'elles ont fait leur trek, donc ça y est, il n'y a plus de pression. Et là, maintenant, elles vont aider les autres, mais on finit en apothéose. Les douleurs, les chutes, la fatigue, les soupirs devant l'étendue aride et accidentée à franchir, le doute à gérer, tout ça est balayé par la majesté des images qui restent en nous. Si le désert est exigeant, oppressant, parfois despote et sans pitié dans les défis qu'il nous lance sans cesse, il peut aussi se montrer généreux, tendre et chaleureux dans ses débauches de couleurs aux extrémités du jour,
dans les rondeurs de ces dunes dorées qui s'imprègnent dans la mémoire de tous ceux et celles qui les fouillent. Mais ce trek, c'est plus qu'un paysage extatique. C'est avant tout une aventure humaine absolue, où chacune des participantes se découvrira elle-même un peu plus et réalisera les incroyables ressources qui sommeillent en elle. Au moment où on pense qu'il n'y a plus rien, il y en a toujours un peu plus. Le trek va bien au-delà des bornes pointées et du résultat au classement. Nous en ressortons toutes grandies, soudées, révélées à nous-mêmes, alors que nous avons laissé tomber toutes les barrières, toutes les défenses pour aller à l'essentiel. La force de l'amitié, l'assurance de savoir que nous serons toujours là, l'une pour l'autre.